Je suis préoccupé par les 10 000 bébés de moins d'un mois qui meurent chaque jour dans le monde. Je suis préoccupé par la centaine de femmes qui meurent chaque année des suites de leur grossesse. Mais aujourd'hui c'est une belle journée. Aujourd'hui c'est une belle journée parce que nous allons pouvoir remettre les équipements essentiels pour lutter contre ces décès quotidiens, annuels, et ces équipements iront bien sûr en priorité pour ces groupes vulnérables que sont les femmes et les très jeunes bébés. Il s'agit d'équipements dont la valeur va bien au-delà des 51 millions de francs CFA qui ont été nécessaires pour leur acquisition. Leur valeur est essentielle pour les vies humaines qu'elles permettront de sauver. Tous ces équipements qu'on nous a demandé de financer seront extrêmement utiles pour sauver les vies des femmes qui accouchent et les vies des bébés qui naissent. Au nom de tout le personnel, je voudrais rassurer que nous allons utiliser judicieusement ces matériels, les entretenir comme cela se voit, parce que c'est des biens précieux, des matériels très chers, et nous en avons vraiment besoin. Et rassurer donc le projet qu'à travers l'utilisation de ces matériels, nous allons pouvoir améliorer les conditions du travail du personnel et du coup améliorer donc la qualité de la prise en charge pour sauver de nombreuses vies humaines. Ce modeste appui contribuera à aussi au renforcement du cadre technique et par conséquent à la qualité des prestations de services à l'information sanitaire bénéficiaire, surtout dans le domaine des soins obstétricaux. Nous la provenance, un domaine prioritaire du projet. Cet appui vient à point nommé